Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message intuitif de ce mercredi 16 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui. C'est la carte ressenti. Eh bien, cette carte, elle vient vous donner un conseil qui vous servira toute votre vie. Alors soyez attentif à ce que vous ressentez. Chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, que tu découvres un nouveau lieu ou qu'un choix s'offre à toi, écoute ton corps, écoute tes ressentis. Prends le temps. Prends le temps de faire un scan de tes émotions et tes sensations pour apprendre à reconnaître et décrypter les messages, les signaux que ton corps te transmet. Alors, si tu en fais une habitude, ton corps deviendra alors, eh bien, le meilleur outil que tu pourrais avoir. C'est un outil merveilleux, n'est-ce pas? Comme une boussole intérieure qui te guidera tout au long de ta vie. Et il t'aidera à faire des choix en fonction de ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais. Ton mental, eh bien, ne voit pas toujours clair. Mais par contre, ton âme et ta conscience elle voit clair. Tu peux toujours faire confiance à ton corps. Fais confiance à ton ressenti. Écoute ta petite voix intérieure qui, elle, ne se trompe jamais. Installe-toi convenablement. Détends-toi. Ferme les yeux et imagine. Imagine-toi dans un lieu inconnu. À la rencontre d'une nouvelle personne. Sois attentif à tes sensations intérieures. As-tu des frissons? As-tu mal au ventre? Te sens-tu étouffé? Ou au contraire, te sens-tu bien, détendu, serein? Eh bien, prends une grande respiration et prête attention à tout ce qui te traverse. Tu capteras ainsi, eh bien, les informations qui pourront t'aider à t'orienter.
Sois attentif à tout ce que tu ressens. On termine avec le message lumière. Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Eh bien, je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une lumineuse journée. On se retrouve demain. Je vous embrasse et d'ici là, portez-vous bien. À demain.